Ce camp a pour objectif principal, c'est la lutte contre l'utilisation des produits stupéfiants, des produits illicites que les jeunes sont en train de prendre et qui sont en train de détruire la plupart des jeunes. Et nous avons un devoir en tant que responsables et aujourd'hui parents, c'est d'appeler aux jeunes, en tout cas, à essayer de se débarrasser de ce fléau. Et ça, nous tous, en tant que Coldois, nous avons une responsabilité. Autant sensibiliser, mais aussi mener des actions. Et c'est pour ça que nous avons mené des actions au-delà de la sensibilisation. Nous en appelons à la responsabilité des parents, pour un meilleur contrôle, un meilleur encadrement, mais aussi à chacun dans son secteur, pour voir comment discuter avec ces jeunes-là, pour qu'ils arrêtent l'usage de la drogue. Ce qui, pour moi, n'est pas politique. C'est une initiative citoyenne qu'il faut encadrer et vocaliser. Pour ce qui concerne l'aspect cours de vacances, là aussi, je pense qu'ils sont bien bouclés. Mais l'activité en tant que telle se fera lors du don de kits scolaires qu'on fait pour chaque année.